Je sens que ça va être génial, ce truc. Super bidon, ouais. J'achèterai plus jamais ce magazine. La menace des mutants marins. Maintenant, finis de jouer, écarte-toi, Didier, hein? Et laisse Impro gérer la situation. Pousse-toi, hein? C'est une affaire entre lui et moi. Tiens donc, et tu comptes en faire quoi de ton petit seau à chapeau? En tassant bien, on peut y faire entrer sans problème un grand débile comme toi. Oh. Ah ouais? Tu causes, mais t'en es même pas cap. Oh non, c'est pas vrai, à cause de toi, on l'a laissé filer. N'importe quoi, c'est toi qui as fait exprès de me distraire au moment où j'allais la voir. Pauvre chouchotte, tu crois que Mom va gober un truc pareil? Je constate qu'en dépit d'un grand nombre de missions, vous êtes toujours rebelle à l'esprit d'équipe. Oh, tu vois, l'esprit d'équipe, Martin, je te le dis toujours. Cette remarque vous concerne aussi, jeune fille. Vous allez devoir apprendre à travailler en équipe, sinon il n'y aura plus d'équipe. Me suis-je bien fait comprendre? Je vais pouvoir enquêter en solo, trop cool. Je me suis toujours senti la fibre du détective solitaire. Juste ici, au puissant esprit déductif. À nous deux, monde paranormal. Apparemment, non. Je ne me suis pas fait comprendre. Plus d'équipe, plus de mission. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Non? Oh non, mais c'est trop injuste. C'est Martin qui est allergique au travail d'équipe. Billy? Salut les potes, ça boum? Salut Billy, contente de te voir. Vraiment hyper contente. Compliment, jeune gens. J'ai la joie de vous annoncer que vous êtes le papa et la maman de bébé. Bébé? Oh, c'est quoi, un portable, une variété d'huîtres géants? Mais enfin, nous ne pouvons pas être les parents de ce bébé, nous sommes frères et sœurs. Ce n'est qu'un exercice, Diana, au cours duquel vous prendrez en charge ce petit être. Cela implique une parfaite entente entre vous deux. En cas d'échec, finit l'équipe. Parfait! Alors c'est moi qui m'en occupe. Ce pauvre Martin est bien trop incompétent. Tu devrais plutôt dire bien trop compétent. Donne-moi cet enfant, je vais m'en occuper. Il n'y a pas que dans le paranormal que je suis un expert. Oh, regarde, tu l'as cassé. Oh, rien de grave, ce ne sont que des pleurs. C'est toi qui la console. Négatif, tu envoies au sol, c'est toi qui console. Pendant que je vous tiens, plusieurs disparitions mystérieuses ont eu lieu dans un nouveau lotissement résidentiel. Tous les trois, vous partez sur le champ pour enquêter. Comme j'ai hâte d'y être, alors vous allez nous la garder? Mom et maman commencent par un M, je ne leur connais pas d'autres points communs. Est-ce que vous pouvez au moins nous dire comment s'y prendre pour le faire arrêter de pleurer? Ça, je peux. Silence! Il faut savoir imposer des limites aux enfants. Ah. C'est ici qu'a eu lieu la dernière disparition. Calme et confortable, pas exactement le genre d'endroit où on s'attend à croiser le danger à tous les coins de rue. C'est un quartier résidentiel, ce lotissement vient d'être achevé. Des habitations luxueuses et fonctionnelles à des prix abordables. Oh, l'endroit idéal pour élever bébé. Dis donc, Sœurette, je me demande si tu n'es pas un peu en train de perdre le contact avec la réalité. Ah non, non, pas du tout, non, c'est parce que je parlais pour plus tard. Ah bon?
quand j'aurai des enfants, tu vois, enfin... Des enfants, voyez-vous ça. Désolée de vous interrompre, mais vous ne trouvez pas cet endroit particulièrement sinistre? Martin, est-ce que t'as vu ça? Te stresse pas, mon petit Billy, je crois que les yeux de ta combinaison humanomorphe auraient besoin d'un petit réglage. C'est classe, non? Je te laisse fouiller la chambre des enfants, Diana. Martin, aurais-tu l'obligeance de me lâcher, s'il te plaît? Et commençons la chasse aux indices. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, j'ai oublié de refermer la porte. Billy, essaie de voir s'il y a des traces d'effraction. Tiens, tiens, ces traces de pas ont l'air très récentes. Billy, tiens-toi prêt, quand j'entrerai, tu me couvriras. Oh là là, tu les as vus, Martin? Ils sont gigantesques et horribles. Ils viennent sûrement d'une autre galaxie. Les criminels sont à tous les coups les auteurs de ces disparitions. Ils doivent avoir besoin d'organes pour fabriquer des clones. Ils doivent surtout être en train de s'échapper pendant que vous échafaudez vos théories stupides. Pas entièrement faux. Redoutable criminel de l'espace. On n'a rien fait, madame. C'est pas nous, je vous jure. Vous êtes hors de danger, alors calmez-vous, d'accord? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Greg. Et voici ma petite amie, Tira. Pourquoi étiez-vous cachée? On avait peur que ces horribles créatures nous enlèvent. Elles surgissent de nulle part au moment où on s'y attend le moins. Ce sont elles qui ont pris nos parents. Je crois que nous sommes les seuls à leur avoir échappé. Ne tremblez plus, Martin Mystère va vous sauver. C'est vrai? Ouais, je confirme, tel que vous nous voyez, nous sommes la fine fleur des enquêteurs. C'est super, merci de vous être déplacée. Oh, voyons, ce n'est rien, mademoiselle. Nous ne faisons que notre devoir. J'ajoute que nous sommes surtout spécialisés dans les énigmes du monde paranormal. Viens voir par là, Martin. On dirait le restant d'un sachet de granules. Effectivement, c'est pour le moins suspect. Nous devrions analyser sans tarder cet indice de la plus haute importance. Chronoscan activé. Mode bioanalyse. C'est curieux, on dirait des œufs minuscules. Les œufs de vos compagnons aquatiques, le cadeau de Gadget Magazine de cette semaine. En fait, d'après la bioanalyse, ce sont plutôt des ovums. En latin, ça veut dire œuf. Tu me l'as ôté de la bouche. Et voilà les compagnons aquatiques, je suppose. Martin, Diana, j'ai découvert quelque chose. Reste à distance, Billy. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, je prends le relais. Mode viscoanalyse. Mes soupçons se confirment. La séquence ADN de notre échantillon est une variante de celle des œufs. Cela signifie que nous avons affaire à un mutant. Ce sont eux! Ils reviennent! Martin, non! Les pattes! Ne m'abandonnez pas! Billy! Oh, ils nous ont pris, Billy! Mon vieux copain, Billy! Non, tout n'est pas perdu si nous agissons vite. Vous voyez, ils surgissent, ils vous prennent, ils vous entraînent. Il n'y a rien qu'on puisse faire, c'est affreux. Où emmènent-ils leurs victimes? Là est la question. Le seul moyen d'en avoir le cœur net est de suivre la canalisation et de voir où elle mène. Rien de grave, ce n'est que bébé. Se réveiller dans le sac de Diana est une expérience traumatisante. Lâche-moi un peu. Silence. Il n'y a pas à dire, tu es doué. Peut-être qu'il pleure simplement parce qu'il a faim. Oh, ce bout de chou en demande de l'attention. C'est encore pire qu'un petit ami. Tu sais ce que c'est, un petit ami? Vraiment très drôle, Martin. Surtout venant de ta part. Tu arrives à voir sous la surface du sol avec ces lunettes? Pas exactement. Les rayons infrarouges détectent et calculent l'activité thermique. Ensuite, ils analysent son interaction. Ah, Diana, un peu de retenue. Toujours faire faire son rototo à bébé, sinon il est mal. Tiens, entraîne-toi. J'ai été sacré maître des vents par la guilde du rototo, alors je n'ai pas besoin d'entraînement. J'admets, c'est toi l'expert, mais pense à l'esprit d'équipe, sinon on peut tous les deux dire adieu à nos missions. Ces rejets ont l'air carrément toxiques. Voyons ce que donnent les œufs dans cette soupe. Mmh.
Greg, ça a fait comme ça la première fois que t'as essayé? Non, ça a rien fait, c'est pour ça que je les ai jetés. Au moins maintenant, on sait comment s'est déclenchée la mutation. Si ça continue, je vais demander à Mom un budget pour des chaussures. Lâche-moi, lâche-moi, sale bête! Où sont les autres? Les créatures les ont eues, j'en ai bien peur. Tu sais où elles les ont emmenées? Aucune idée, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est par où commencer à chercher. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Tout ce que je te demande, c'est de manœuvrer le bateau tandis que j'opérerai. En plus, le bouclier n'a d'autonomie en oxygène que pour une personne. Tu veux bien me garder bébé pendant que je plonge? Je doute que l'ambiance soit du genre halte garderie là-dessous. Chronoscan activé. Mode bouclier. Autonomie, 20 secondes. Oh? Tenez bon, Martin Mystère est là. Autonomie, 10 secondes. Hein? Cool! Si on m'avait dit qu'on trouvait des créatures aussi géniales dans un magazine... Oh là là! Eh mais on se calme, j'ai pas envie de jouer au ballon avec vous, jolie sirène. Eh, hey, c'est comme ça que vous traitez quelqu'un qui vous fait un compliment? Hein? Aïe! 3, 2, 1... Ce n'est que moi, Martin. J'étais persuadée que les créatures t'avaient eu, toi aussi. Il est vrai que ces bestioles sont rapides, mais elles ne sont pas encore nées, celles qui auront Martin Mystère. Ah, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Oh, mais j'ai horreur de ces familiarités. Oh, mais c'est fini, oui. Hey. Oh. Hop, 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 qui essaye de s'esquiver? Ces monstres capturent les humains pour les garder comme des animaux de compagnie. Quoi? Ils utilisent Greg pour se distraire comme nous le faisons avec un poisson dans un bocal? Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien, je suppose qu'ils ne peuvent survivre hors de l'eau, ce qui explique pourquoi ils adorent les canalisations. Il n'y a pas 36 solutions, hein. Si on veut s'en débarrasser, il faut vider toute cette eau. Le lac possède un barrage. Eh bien parfait, on va lui faire une belle vidange. Mais où ai-je la tête? Voilà que j'allais oublier mon petit boutchou d'amour. Tu trouves pas qu'elle a mes yeux? Si je me souviens bien, la vanne de vidange se trouve par là. Pas de bobo? En route! Non! On peut rien faire, elles ne vont jamais nous lâcher! Oh, mais moi non plus, je les lâcherai pas! Martin! Bats les pattes, le poulpe! Elle est avec moi! Super, un noix! Chut, ne parle pas trop fort, j'ai l'impression qu'il nous repère au bruit.
On est repéré. Tiens, ma mignon. Ça devient chaud, repli stratégique. Pas de bassin, pas de piscine, c'est bon, tout est sec. Je crois qu'ici on sera en sécurité. Tu peux m'expliquer la définition du mot sécurité? Ils vont bientôt tomber en poussière, c'est l'affaire de quelques secondes. Ravi de vous avoir connu, mes chers gambas. Hein? Le compte fait, ils sont beaucoup moins bêtes qu'ils en ont l'air. Chronoscan activé. Mode télescocan. Ne pas sous-estimer la force de Martin Mystère. On dirait que papa et maman monstre peuvent survivre hors de l'eau. Ah, ils vont m'entendre à Gadget Magazine. D'abord, on s'occupe d'ouvrir les vannes en grand. Ensuite, on fait sa fête au couple royal. On pourra jamais le faire. Ils en viennent partout. Donne-moi la main. Quand je dirai saute, tu sautes. Saute! Je vais faire diversion. Toi, de ton côté, tu vas libérer les autres. Mode bouclier. Enfin, soyez raisonnable. Je ne suis pas un bon animal de compagnie. Je suis têtu comme un âne, j'ai un caractère de chien et pour tout dire, je ne respecte même pas les tapis. T'étais où? T'étais dans ta bulle? Un grand merci pour m'avoir secouru lors de ma capture, partenaire. Et si on les emprisonnait dans cette bulle géante? Oh, pitié, tu vas pas me refaire le coup du saut. Je les combats au filex, à la loyale. Vas-y, grand frère, joue les héros. Pendant ce temps-là, je résous le problème. Tire! Lequel? Oh. Les deux. Ça a marché? Le Martin Mystère et son filex y sont pour quelque chose. C'est vrai, finalement, Mam a raison, rien ne vaut le travail d'équipe. Joli travail d'équipe. Merci. Je vous attends au centre pour faire le point. Inutile de te forcer, elle ne nous voit plus. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça, c'est de la mission, non? Hein? Oh, Martin, je ne te remercierai jamais assez pour nous avoir tous sauvés et surtout pour m'avoir ramené mon fiancé. Oui. Merci de t'être occupé de Tira pendant que j'étais emprisonné au fond de l'eau. Non, ne me remerciez pas, je fais ça tous les jours, vous savez, pour moi c'est la routine. Enfin, je veux dire, nous faisons ça tous les jours. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci encore. Au revoir. Oui. 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 Oui.
Voilà enfin une fille qui t'aime. Brisette à Martin. Notre exercice de responsabilisation parentale semble avoir parfaitement fonctionné. Oh, ils grandissent trop vite. Votre esprit d'équipe ayant fait ses preuves, une autre tâche vous a été assignée. Acclimater Blurm à notre manière de vivre. Gentil. Ils courent vite. C'est vraiment génial, un Blurm pour moi tout seul, même si je ne connais pas son pédigré. C'est atroce, croisé répugnant. T'angoisse pas, Didi, ça peut pas être pire que de changer les couches d'un bambin. En fait, Blurm est un bébé. À toi l'honneur, partenaire. Non, je m'en voudrais, équipier. Allez, montre-moi comment on fait, je sais pas, moi. Non, ça commence à bien faire, Martin, tu t'y colles. J'ai changé toutes celles de bébé alors que tes petits doigts délicats n'en ont pas touché une. Reviens immédiatement, Martin. Fuis. Ça ne marche pas avec moi. Et puis c'est un travail de fille, les couches. Quoi? Et puis c'est moi qui lui donnais le biberon tout le temps. Je t'en fais un chapeau.